Bonjour, je m'appelle Amandine et je suis actuellement en première spécialité théâtre au lycée Jacques de Vaucanson à Tours. J'ai pu avoir l'occasion au cours des mois derniers d'assister à une dizaine de pièces de théâtre environ, mais si je devais n'en retenir qu'une seule, je choisirais sans aucun doute la pièce qui s'est déroulée le 26 novembre 2019 au Centre Dramatique National de Tours, La très bouleversante confession, ou de son nom complet, La très bouleversante confession de l'homme qui a battu le plus grand fils de pute que la terre ait porté. Cette pièce, mise en scène par Clément Bertani et Édouard Bonnet, évoque la traque d'Oussama Ben Laden pendant plus de 10 ans, enfin plus précisément sa reconstitution, jusqu'à son abattement par un soldat américain. La très bouleversante confession est la seule pièce où j'ai pu avoir des émotions contradictoires mais pour autant justifiées. En effet, les comédiens jouent très bien leur rôle et j'ai pu ressentir à la fois de la colère, du suspense, de la peur, de l'adrénaline et plein d'autres encore. Durant tout le visionnage de cette pièce, j'avais l'impression de ressentir ce que ressentaient tous les soldats au front, avec une boule au ventre constante mais une lueur d'espoir toujours présente, visible à travers les liens qui les unissent entre eux et qui constituent plus qu'une équipe, mais une famille.